Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo de montage de mouches. Il s'agit d'une émergente de sedge. C'est sans conteste le sedge que j'utilise lorsque la saison devient un petit peu plus compliquée, que les poissons deviennent méfiants. C'est un véritable aimant à truite et à ombre. Pour la petite anecdote, alors voilà, c'est une mouche qui va flotter relativement bas. Donc on est sur un truc émergent, on aura juste le toupet et les deux petites antennes qui vont sortir de l'eau. Donc je préconise de la monter avec du CDC relativement clair pour garder une bonne visibilité, sachant qu'on va pêcher au coup du soir, à la tombée de la nuit, dans la pénombre. Si on mettait du CDC foncé, on va naturellement moins bien voir notre mouche sur l'eau. Donc l'utilité ici de plumes de CDC relativement claires. Une autre chose est que voilà, on est sur une émergente, un truc qui flotte relativement bas. Donc c'est clair qu'à la voir, ce sera aussi toujours compliqué. Donc tant que ça fonctionne, je privilégie les sedges de plus grande taille avec une meilleure flottaison que les poissons prennent volontiers. Mais dès qu'on avance un petit peu dans la saison de pêche, les poissons deviennent méfiants et vont alors prendre des insectes plus émergents. Au niveau de la taille, là on est sur un hameçon K10 de taille 10. Là aussi, hein, on peut le monter de plus en plus petit. Plus la saison avance, plus on va réduire la taille. Pour faire un brin d'entomologie, les insectes de la même famille, plus la saison avance, plus la taille va se rétrécir. Donc une même mouche, hein, un même insecte de la même famille, plus on avance dans le temps, plus il va se rétrécir. Donc ne pas hésiter, là je le monte en 10 pour la vidéo, mais plus on avance, partir sur des tailles 12, 14, 16, 18, etc. Pour la petite anecdote aussi, on était au mois de juin cette année sur le Doubs, au Pré-Bourassin, à Goumois, pour ceux qui connaissent, avec mon frère, ma femme, mon fils. On était en sortie en famille et ben, naturellement, je pêchais avec ce sedge et ça fonctionnait plutôt bien. Et il y avait un gars qui pêchait peut-être 50 mètres en dessous de nous. Et le lendemain, lorsque j'arrive au travail, la cuisinière de mon travail me dit: Ah, mais tu étais au Pré-Bourassin hier. Et je lui dis: Oui, avec ma femme, mon fils, en famille, etc. Et elle me dit: Ouais, mon mari était en dessous. Et il a halluciné. Vous sortiez plein de poissons et lui a eu de la peine à en faire. Alors, Pierre-Alain, vu que c'est ton prénom, eh bien, voici l'aimant à truite que j'ai utilisé ce fameux soir et que j'utilise régulièrement pour les coups du soir au Pré-Bourassin ou ailleurs. C'est vraiment un aimant à truite et à ombre. Bien, je vous passe un rapide générique et on se retrouve juste après pour le montage. Des matériaux de montage, j'utilise des plumes de CDC, ici couleur Pardo, une plume de queue de faisan pour fabriquer les deux petites antennes, et du dubbing de lièvre. Ici je vais prendre la couleur chocolat, brun chocolat. Et au niveau de la soie de montage, j'ai pas précisé mon éternel Vivus 12-0. Je commence donc par prendre mon hameçon, le fixer dans mon étau et enrouler ma soie de montage. Comme cela, je coupe mon excédent de fil. J'amène ma soie de montage un peu plus loin dans la courbure, là où va commencer mon corps. Et je choisis maintenant une plume de CDC, mais idéalement d'une bonne longueur. Celle-ci pourrait faire l'affaire. Voilà, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Je vais prendre ma plume de CDC et je vais l'emprisonner ici avec un seul tour de fil dans ma soie de montage. Je vais tirer sur ma plume de CDC de sorte à faire ressortir uniquement la pointe.
Je viens maintenant emprisonner cette pointe. Alors attention, hein, si vous laissez trop peu de matière, on a les fibres qui risquent de casser, ou à l'inverse, notre plume de CDC qui va ressortir. Donc, emprisonner quand même suffisamment de matière. Je prends maintenant ma pince et je viens faire 2-3 tours sur elle-même et je commence d'enrouler ma plume de CDC autour de l'ambre de mon hameçon, de sorte à former le corps. Voilà, et à chaque enroulement autour de la hampe, je refais 2 ou 3 tours avec ma plume sur elle-même. On peut également tirer les fibres sur l'arrière, mais on va les couper après, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Comme cela. Je viens maintenant emprisonner ma plume de CDC avec 3 tours de soie de montage. Voilà. Fais encore 2 tours supplémentaires pour bien assurer le coup. Et je coupe maintenant mon surplus de rachis. Encore 1 ou 2 tours pour bien assurer. On va maintenant nettoyer ce corps. Donc on va couper toutes ces plumes, toutes ces fibres ici qui dépassent, comme cela. Alors dessus, sur les côtés, dessous. Voilà. Comme cela. Je recule un tout petit peu ma soie de montage à l'endroit où je vais venir fixer mon aile, comme ceci. Je prends maintenant mon Dubbing olive chocolat. Pardon, brun chocolat. Comme cela. Je mouille mes doigts. Je fixe mon Dubbing sur ma soie de montage. Et je viens former un abdomen. Voilà. Je vais maintenant prendre 2 petites plumes de CDC. Je vais enlever le duvet ici. Comme cela. Je superpose mes 2 plumes de CDC ici, l'une sur l'autre. Je vais essayer de vous montrer ici à la caméra. Donc je les superpose l'une sur l'autre, comme ceci. Je les tiens par la pointe, je retire mes fibres sur l'arrière et en pinçant mes fibres, je viens les détacher du rachis. Je peux les poser ici devant moi. Je retourne ma plume. Et je prélève une deuxième pincée. Je récupère ce petit paquet de CDC en touffe comme ceci et je viens le poser sur mon hameçon pour venir les emprisonner avec ma soie de montage. Voilà, comme cela. Alors on peut même retourner le bas de la tige, pour donner plus de volume, comme ceci, et ensuite, faire quelques tours derrière pour relever cette aile. Voilà. Je viens maintenant attraper mes fibres et je les coupe. Qu'est-ce qu'on va dire? 1 demi-centimètre de haut. Je prends maintenant 2 brins ici de plumes de faisan. Comme cela, et je viens le fixer
Voilà, et je viens les emprisonner ici autour, de sorte à former mes deux petites antennes. Je coupe mon excédent, comme cela. Je forme la tête de ma mouche. Je prends mon whip finish. Et je réalise mon nœud final. Comme à mon habitude, je fais deux fois le nœud final afin de maximiser la durée de vie de ma mouche. Alors, je vois que j'ai une aile ici qui a un petit peu bougé. On peut la repositionner. Et ma mouche est terminée. J'espère que le montage vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Bye!